Salut tout le monde. Ça remet du temps. Je pensais que j'étais planté deux. Après la victoire des assassins sur les Templiers, Londres a connu la paix pendant une vingtaine d'années. Jusqu'à cet automne de terreur. En 1988, une série de meurtres atroces, demeurés impunis, a plongé la ville dans le froid. Les bordels de Whitechapel sont de douillets refuges, comparés aux rues du quartier, où les prostituées se font tuer et où leurs cadavres mutilés sont exposés comme autant de macabres spectacles. Jacob Fry traque l'insaisissable tueur. Pour mettre fin à la terreur de Jack l'Éventreur. Dépêchez-vous, monsieur Finch. C'est l'histoire du siècle. Monsieur Weaversbrook, je sais que vous avez d'autres lettres de l'Éventreur. Je vous ai dit de me laisser tranquille. Cessez de publier ces lettres. Vous avez transformé un vulgaire inconnu en légende vivante. Vous n'avez fait que jouer son jeu. Jacob! Dieu merci, je t'ai trouvé. C'est l'Éventreur. Viens, il a recommencé. Il n'a pas... Non, il n'a pas pu. Et Lizzie ? Pas les deux ? Pas la même nuit ? Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Pars d'ici. Combien d'assassins devront mourir pour que t'acceptes la vérité? Un seul suffira, Jack. T'aurais vraiment dû y croire, Jacob. Maintenant... C'est toi que je traque. Je sais que tu es là, Jack. Le maître de la terreur aurait-il peur de se montrer? Je suis ton ombre, Jacob. Si je me souviens bien, on n'a jamais arrêté. Ah voilà, je me suis glissé.
passer, et au revoir. Je les étriperai tous sans hésiter si ça me conduit plus vite à toi. Tu peux courir, Jacob. Je t'attraperai. Il n'y a plus qu'à suivre ta piste. La piste d'un animal blessé. Où que tu ailles, je te retrouverai. C'est moi que tu veux, Jack. Alors viens me tuer! Ce n'est pas notre credo. C'est mon credo! Tu ne m'échapperas pas. Allez, regagne vite ton trou, petite souris. Ouais, c'est normal qu'on va pas du singe de Jack l'Éventreur. Vu qu'on n'a jamais vu qui c'était. De description en fait. Tu nous guidais, Jacob. Jack, tu es malade.
Ne vois-tu pas l'ironie de tout ça, mon frère? Jack. Tu es le seul à connaître l'identité de l'éventreur. Mais si tu la révèles à quiconque, cela t'anéantira, ainsi que les assassins. Non, 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 non! Jack! On peut te soigner! Me soigner! Je suis le remède! Ah! Ok. Ça fait comme un film. Pas mal ça. Ça va se rouler comment l'histoire? Ah putain. Je pensais que ça allait être un tournant de budget cette soirée. Non. C'est le contraire. Miss Fry. Inspecteur Aberlin. Pour quelle raison m'avez-vous fait escorter ici? Cela fait maintenant des mois que mes hommes traquent l'éventreur nuit et jour, mais sans le moindre résultat. Du moins, officiellement. En quoi cela me concerne-t-il? Mon frère m'a demandé de revenir des Indes. Ceci ne pouvait pas attendre? Il est possible que vous soyez le dernier assassin de Londres. Que voulez-vous dire? Où est Jacob? J'aimerais le savoir. Votre frère est introuvable alors qu'un meurtrier commet les crimes les plus abominables de toute l'histoire de cette ville. Et pour vous, cela n'a rien d'une coïncidence. Ce tueur choisit froidement ses victimes et ne laisse aucune trace de son passage. Je n'ai vu un tel talent pour l'assassinat et la dissimulation qu'à une seule occasion. Lorsque j'ai travaillé avec vous deux. Voilà pourquoi Jacob vous a fait venir avant de disparaître. Jacob est mort? J'espère me tromper. Mais s'il est mort, vous êtes la seule personne capable d'arrêter l'éventreur. Suivez-moi. Quand est-ce que vous allez l'arrêter, ce monstre? Je vais vous emmener là où l'éventreur a frappé en premier. Incompétent! Les journalistes sont toujours avertis les premiers. À notre arrivée, ces sagouins avaient piétiné tous les indices. Et le lendemain, leur gros titre dégoulinait de sang. Les quelques centaines de yards séparant Flower Street de Dean Street sont devenus si dangereux que la nuit, même les meilleurs agents refusent d'arpenter Whitechapel. Prenons une voiture, voulez-vous? J'en ai assez de recevoir des œufs en plein visage. Je vais conduire. Si on fait tout avec les lits, on s'en va. Est-il arrivé à ce quartier? Whitechapel est un cloaque en proie au crime, Miss Fry. C'est devenu l'enfer sur Terre. Ailleurs, les riches s'enrichissent. Mais ici, les pauvres doivent lutter pour survivre jour après jour. Les journalistes dépeignent Whitechapel comme un repère de sauvages, de monstres et de loups-garous sanguinaires. C'est une galerie d'horreur qui fait régner l'épouvante et le chaos. Le chaos de l'éventreur. Allez! Nous sommes pas loin de l'endroit où a été tuée Marianne Nichols. Je la connaissais sous le nom de Polly. C'est ainsi que ses amis l'appelaient. Mais la femme qui est morte ici n'était pas celle que j'ai croisée au Frying Pan, un pub. Alors qui était-ce? J'espérais que vous me le diriez. Allez vous rendre compte par vous-même. C'est ici que l'éventreur a tué pour la première fois. Qui a identifié le corps de Nichols? Son mari. Il ne l'avait pas vu depuis 11 ans. Il a à peine regardé cette pauvre mutilée avant d'annoncer avec aplomb qu'il lui pardonnait tout ce qu'elle lui avait fait. La presse a claironné que Miss Nichols portait la marque d'une bague à un doigt. Elle lui a été retirée de force, comme à chacune des autres victimes.
soi. Avec de nombreuses blessures abdominales, de véritables sens au niveau ici. Mais une grosse, trois mois, tu peux me suivre. C'est le moins ça. Et ma mère a peut-être pour se reposer. J'étais sans bonne espoir. Qu'avez-vous découvert? Laissez-moi la chercher. Ah oui, c'est... Il y a l'étrange en tant que ça. Il y a couvert de sang à toucher là. Peut-être ça va. Someone's up to no good. T'as vu son ténure, maintenant. Bah non, pour générer la trajectoire et R pour déplacer. Une bague seule pour capturer l'assassin. J'ai trouvé la bague de Nichols. Une bague d'assassin. Elle a dû la jeter pendant qu'elle luttait. Un acte désespéré afin de protéger la confrérie. Vous pensez qu'on les a choisis ? Oui. Et les journaux accusent la police, moi en l'occurrence, de laisser la plus grande ville du monde sombrer dans la barbarie. Je dois vous laisser, Miss Fry. Le travail ne manque pas à Whitechapel. Au revoir, inspecteur. Merci de votre discrétion. Déjà. Alors les nymphes intervenent, ont besoin de votre aide, je m'en doute. La terreur de l'éventreur a déclenché une vague de criminalité allant du simple larcin à l'imitation de ce meurtre. Whitechapel devient un lieu d'une sauvagerie sans pareil. Okay. Je dois saper l'influence de Jack sur les bandes de Londres. Ouais, mais comment ? Oh, c'est bon, quoi, ce truc-là, je ne sais pas. J'ai bien envie de voir ce que t'as dans les crânes. Thank you.
Et si on peut parler en fait. Il y a des machins, des bugs et tout ça, des coffres. C'est quand même mieux qu'il y a des coffres, mais j'ai rien du tout sur la carte, à moins que... Sans pognon en plus. Moi j'aurais pu laisser le pognon qu'on fait avancer dans le jeu. Ah, j'espère que vous changerez d'avis. Sans ce vache. Hein. J'ai tous les objets dont vous vous servez tous les jours. Approchez, approchez. Chez Jacob, son frère avant sa disparition, laissez un homme disparaissant le trouver, Jack les ventre. Inspecteur, l'enquête indique que Marianne Nichols était ivre et s'est donnée en spectacle la nuit du meurtre. Vous pensez qu'elle obéissait aux consignes de Jacob? Qu'elle servait d'appât? À vrai dire, je ne sais plus quoi penser, Miss Fry. Jacob habitait près d'ici, au cœur même de ce cloaque. Soyez prudente. Vous pouvez compter sur moi. Tout ce qu'il vous faut pour survivre.
utiliser pour aller où ces monstres ne vont pas finir. Une lettre. Ce dernier travail, c'était de la belle ouvrage. Je n'ai pas laissé à la fille le temps de couiner. Comment vont-ils m'attraper maintenant? J'aime mon travail et je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de mes petits jeux. J'ai gardé un peu du liquide rouge du dernier travail dans une bouteille pour écrire, mais c'est devenu si épais que je ne peux rien en faire. J'espère que l'encre rouge fera l'affaire. Tout ce sang. J'espère que ce n'est pas le tien, mon frère. Des armes d'intimidation, comme celles que nous avons appris à utiliser auprès de nos frères des Indes. Sûrement autre chose ici. La dernière fois qu'Henry, mon frère et moi avons été réunis, c'était aux Indes, il y a 15 ans. Cette photographie a été prise devant un temple de Kali. Et voilà un des garçons que Jacob a entraîné pour la confrérie. Comment l'appelait-on? Le petit Jack. Casse-cou et arrogant. Presque autant que mon frère. Signe. Qu'est-ce qui m'échappe? J'ai compris, Jacob. Kali, la destructrice. Je te l'avais donnée quand tu es venue aux Indes. Une femme peut nous venir en aide. Malheureusement, elle te rappellera notre voisine d'enfance. Si l'éventreur ne l'a pas déjà... Malheureusement ? Qu'est-ce que Jacob veut dire ? Nous aimions la vieille Nelly. Ferait-il référence à une femme dans le malheur ? Nelly est peut-être au bordel voisin de chez Jacob. Commençons par là. Tiens, ouvrez l'œil, les gars. Cette bombe va les effrayer comme des lapins. Bless her, she's gone scatterbrained. Je vais t'aplatir. Espérons que cette Nelly aura de tes nouvelles et qu'elle me mènera à l'éventreur. Si l'éventreur est l'ancien élève de Jacob, ça fait de lui notre éventreur. Je dois l'attraper. Oh!
generosity. Why do you want to know me? I'm one of you. Ici, que je te donne une leçon. Ça, c'est un comité d'accueil. Si je dois venir te trouver, tu vas le payer cher. Menagerie are better behaved than this lot. Headed, and I want to be there to see it. She seems occupied. There's something going on. C'est pas parce que je suis que je peux pas rien sauver. Toi. Une de ses filles doit connaître Nelly. C'est vrai? Avec le Premier ministre? Est-ce que Nelly travaille ici? Nelly? Dites-moi tout. Je pourrais pas dire, miss. Viens plus près de moi. Petit polisson. Tu as vu Nelly aujourd'hui? Vous lui voulez quoi, Nelly? Vous êtes qui? Si vous êtes une amie, il est peut-être déjà trop tard. Où est-elle? Les costauds chargés de nous surveiller l'ont emmenée chez Lady O. Si vous voulez la voir, il va falloir vous dépêcher. Allez, pas d'histoire, Nelly. Lady O veut te voir. Il faut que je trouve Nelly avant qu'il ne lui arrive malheur.
Où sont-ils allés? Nelly est en grand danger. Voilà la voiture. Nelly doit être à l'intérieur du bâtiment. Nelly est là, quelque part. Sans doute sous bonne garde et en danger de mort. Tu crois que t'as rien à craindre de moi là-bas ? N'approche pas, d'accord ? C'est moi que tu cherches ? Hein ? Prendre les bonnes manières. Va-t'en avant que je te brise le cou. Ta bêtise me laisse sans voix. Crève ! Sainte mère de Dieu. Tu vas finir en chair à saucisse. Oh, Seigneur ! Attendez qu'elle se fatigue. Je vais te faire avaler ta langue. Elle est rapide. Alors allez-y, on vient ici, quoi. Elle n'a pas le droit d'être ici. Je compte sur vous, mes amis. Elle ne m'échappera pas. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous recueillerons encore davantage d'infortunés le moment venu. Ces jeunes femmes désespérées, innocentes victimes de ces temps difficiles, se verront offrir un toit, la chaleur d'un feu, trois repas par jour et par... Chut ! N'a pas peur. La sœur de Jacob ! On ne peut pas parler ici. Il va me tuer, elle le contrôle. Qui ? Lady Howarth. Jacob a dit que vous deviez la tuer pour le trouver. Souriez, soyez gracieuse. Ou je dirais à l'éventreur de vous visiter, mes beautés. Miss Fry. Emmenez Nelly et veillez à ce que cette femme ne nous suive pas. La voiture que je cherche. Bonne fille. Où est-elle passée? Ralentis.
Ok. Lady Awards. Oh Nelly, je suis désolée. Elle s'est servie de moi pour filer au manoir Awards. Espérant sans doute que je causerai ta mort. Elle vous attendait, Miss Fry. Lady O est l'informateur de l'éventreur à Londres. Si je la tue, Jack sera obligé de se montrer. Hey! Je reviendrai bientôt, Nelly, c'est promis. Lady Owers doit attendre ma visite. Et je m'en voudrais de la décevoir. Je l'ai volée, la voiture, hein. Allez, saloperie de Pégase. Il faut mettre fin à la terreur qu'exerce Jack sur les prostituées. Allez, ma beauté. Allez. Quoi, une nouvelle compétence? Effectivement. Même sens, Rémi Zéro. Autant dire que t'as plus vite fait à chercher tous les coffres avant de faire l'histoire. C'est peut-être plus simple. J'ai mal ça. C'est une très longue extension, quoi. Ah!
C'était une simple extension, c'est vraiment comme si c'était un autre jeu quoi. Ah, il faut... Tout est normal. Mais qu'est-ce que... Calme-toi, respire, tout va bien. Tout va bien. T'es pourtant ici, non?
qu'est-ce que c'est? Évite-la de sortir d'ici! Elle est juste là! Je vais couper la langue! Je les ai effrayés. Vous voyez cette femme? Enterre-la dans le jardin, qu'il a dit. Comme un chien enterrerait un os. Bon sang, j'aime pas ça. Et si j'étais le suivant? Nous attendons, Miss Fry. Préviens les hommes et fais en sorte qu'ils soient discrets. Rien ne doit gêner nos amis. Que vos lèvres de miel goûtent à mon vin. Et je vous raconterai une triste histoire d'amour de l'Orient. Toi, retourne voir nos invités. Si Miss Fry ne nous égorge pas, l'éventreur y pourvoira. Ma mère se bat mieux que toi. Comment est-elle arrivée ici? À finir en chair à saucisse. Elle ne m'échappera pas.
Mais... Oh. Qu'est-ce que... Pourquoi on... Une intruse à la fin. Elle est juste là. Je vais lui éclater sa petite cervelle. Mon patilard. Une femme a réussi à s'enfuir. C'est compris? Vous devez empêcher cette femme d'entrer. Elle a rien à faire là. Couche de coude. Méfiez-vous. Brisez-lui les os. Il y aura un mot qui peut espionner la conversation. Sortir de là!
an awning over there. Someone's creeping about. A woman. Oh! Does she think she's hiding? Je suis un pauvre mineur qui s'active sous terre chaque jour un calvaire. Ma vie. Arrêtez cette femme! Que quelqu'un m'attrape! Une intrusion! Vous pouvez faire mieux. Tu ne vas pas en route. Attaquez-la, tous en Je rends tout, c'est pas croyable. Thank you.
de là! Arrêtez cette femme! Oh, on s'embrouille! À moi! En route. Nous allons faire une promenade, tous les deux. Je n'ai pas envie de vous faire mal. Si tu me relâches, je t'aiderai. Faisons ça calmement. Crier serait une très mauvaise idée. Je te dirai ce que tu veux. Allons faire un petit tour. Si tu veux vivre, ne fais pas le moindre bruit. Ma chère, je vous amène une surprise délicieuse. Pas maintenant, d'accord? Vous ne voyez pas que je suis occupée. Bonne nuit. Bon. Au moins, je vous remercie, Miss Fry. Je craignais bien plus de mourir de la main de l'éventreur que de la vôtre. Qu'avez-vous fait de ces hommes? L'éventreur s'occupe d'eux en ce moment. Monsieur Weaversbrook les rejoindra bientôt. Pourvu que Jack ne vous ait pas trouvé, Monsieur Weaversbrook. Le type, il est juste là. T'en fais rire, ça. Ah, sérieux. Enfin, attaquer, je ne sais même pas si j'aurais le temps d'attaquer.
Tu te fous de ma gueule? Non, hein. C'est pas possible. Putain de merde. Va te faire foutre, Ara. Putain de merde. Fichier de camp. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrête un peu de gémir! Pourquoi trembles-tu? Elle est pas là! Elle n'a pas le droit d'être ici! Et c'est reparti! Ah!
Enterre-la dans le jardin, qu'il a dit. Comme un chien enterrerait un os. Bon sang, j'aime pas ça. Ouais, je vais en paix. Ici. Thank you.
c'est compris? Vous devez empêcher cette femme d'entrer, coûte que coûte. Méfiez-vous, soyez vigilants, ou vous mourrez tous sans même avoir vu son visage. Dois-je rappeler que s'il arrive quelque chose à Lady O, tout ce que nous avons bâti s'écroulera. Je dois aller voir Lady O. Jack, montrez-vous, Miss Fry. Il n'y a rien. Tu dois te ressaisir, William. C'est la charogne qui l'a tué. Je t'entends trembler dans tes bottes. Ah!
Dieu! Laisse-moi! Comme si de rien n'était. Doucement. Inutile. Bon, allez, laisse-moi partir. Silence et tout ira bien. Si tu veux vivre, ne fais pas le moindre bruit. Si tu me relâches, je t'aiderai. Ma chère, je vous amène une surprise délicieuse. Pas mal, d'accord, vous ne voyez pas que je suis occupée. Parfait, nickel. Je vous remercie, Miss Fry. Je craignais bien plus de mourir de la main de l'éventreur. Oh, je vais m'attraper à sa natte.
T'as bon? Allez, ah, fais pas ton radin. Non mais tu plaisantes? C'est la troisième fois cette semaine. Hein? Bon sang, va le dire à Lady O. Vas-y toi, je tiens à ma place. Ouf, on a perdu du temps parce que je me suis trompé. On redémarre au checkpoint. Je vais recommencer la séquence. C'est bon. Ouais, je l'ai mis, au moins je l'ai mis refaite. Chargement. Ouais, ils sont vachement longs les chargements. Son surfeur qui le voit ici pour la première fois. Et tout ce que j'ai fait n'a pas qu'une carte. On a les prostituées qui avaient pu engager la foi au monde. Ok. Encore 6. Oh là, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien volé. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Celui-là je l'ai, ça c'est quoi? Gantelet du Yard. Ah il est pas mal. Atteint l'immunité 2 avec un air. Ok. Ok, niveau 9. Niveau 9. Ah, il faut voir
brillant, l'os. Découvrons pas 10. Anacolmé, il est niveau 1. Et bref, je sais pas la dose même. C'est niveau 8. On va équiper celui-là alors. Hein. Celui-là niveau 9. Celui-là niveau 10. Bizarre ce truc. Ça c'est quoi? C'est un pigeon de templier ça. Niveau 9. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'étincelle. Bizarre ce flingue. Que des couleurs. C'est obligé le point américain. Ouais, pas fameux celui-là. Hein. Attaque de barne, et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, on va faire 2-3 activités. Les hommes de l'Ezio contrôlent les lieux. Vous leur avez donné une bonne tannée? Une femme a réussi! C'est pas... Comme une vache dans un couloir. Mais qui est-ce? Du vent, tu auras la mort de ses filles sur la conscience. Une intruse, elle a rien à faire là. Pauvre âme, tu aurais dû surveiller tes armes.
Entre-moi. Je vais la voir. La voilà. Tu es sauvé. Faites-la sortir de là. Arrêtez cette bande. No time. Tu crois qu'on va te laisser venir ici et mettre le nez dans nos affaires? Approche, elle vient de battre. Nous ne battrons plus et nous ne prendrons plus nos sous. Tout ça, c'est grâce à vous, Madame Evie. C'est bizarre. Si tu m'obliges à venir te voir, je te saigne. Someone must do something. Thank you.
tenter ta chance. Mais m'occuperai de toi personnellement. Hop, hop. Ah, c'est pas la journée pour me chercher. Agent et moi vous remercions pour votre aide. Je vais t'arracher les même pas besoin des grenades. Ici, tous les articles. Agent et moi vous remercions pour votre aide. Passez.
Je vais te sortir les boyaux. Levez les yeux. Je vais te donner un coup de poing. Pas plus enculé, hein, fils de pute. Le nombre de bons de pointe, ça pas la peine de faire ça. Ici, il y a tout ce qu'il vous faut. Passer de pointe, il nous faut. C'est bien. Non, c'est pas tout à fait le même. On a enlevé mon ami. Madame Ivy, le ciel soit loué, vous êtes là. Oh Seigneur, impliqué. Dites-moi que vous avez vu mon ami. Madame Ivy. Le ciel soit loué, vous êtes là. Ils l'ont emmené sous mes yeux, madame. Aidez-la. Je la retrouverai. J'en fais le serment. Parce que j'arrive, ma jolie. Va-t'en, ou je me charge de te faire partir. C'est parti, allez. Je la retrouverai. J'en fais le serment. Thank you.
Tu es sauvée. Merci de m'avoir sauvée. Bien aimable à vous. Tous les autres s'en fichent. Voilà. Ça, c'est déjà un plus. Il faut 50 machins, 66, 150, mince, faut beaucoup. S'ils sont tout près, tu peux effrayer les autres. Ok. C'est sûrement ça, la grande bourse à bombes. Bon. On va que faire une petite activité. Attends, voilà, ça j'ai fait. Pour la monteuse, non, ça j'ai pas fait. Partie des deux du fond, je suis arrivé jusque là. J'en ai perdu les deux.
Allons-y. Possible. Oh, mais pour qui? Voyons ce que les habitants de Londres pensent de vos actes. Nous allons faire une promenade, tous les deux. Arrêtez-vous, arrêtez! Allons faire un petit tour. Je te dirai ce que tu veux. Laisse-moi faire tranquille, espèce de chien. Looks like there's been a killing. Je vais t'arracher les bras. Looks like trouble is brewing. Faites comme si de rien n'était. Très bien, Miss. That looks interesting. What's going on? We got trouble. That looks like trouble. Silence et tout. Something bad's going on. One of anyone's been killed. Bravo, Miss. What's all that? Now, what could that be? Pas de bruit. Si tu me relâches, je t'aiderai. In London, I suppose. Si tu veux vivre, je te dirai ce que tu veux. Rentre chez toi, pêcheur. Doucement. Inutile de résister. What's happening there? Ah!
Crier serait une très mauvaise idée. C'est quoi ça qui me met à la couche quasiment? Hey! Mais quel genre d'homme prend plaisir à frapper une fille sans défense? Oh, par pitié! Laissez-moi partir! Pas à moi, ma femme! Alors, on regrette, hein? Ne posez plus jamais la main sur l'une d'entre nous. On sait qui vous êtes. Une dernière activité. Ça va pas? Vous êtes malade? Ces filles, comme vous dites, c'est votre pauvre femme, comme vous et moi. Tous les bobies de ce village. Je n'ai rien à faire là! Oh, bordel.
Merci beaucoup pour votre aide, Miss Fry. Que je peux pas venir m'occuper de toi. Ciao.